J'ai pris l'habitude de venir lire dans le cimetière de Montmartre. Peut-être parce que c'est le seul véritable parc que l'on trouve sur la butte, qui est grand, vaste et sur lequel on peut voir beaucoup de ciel. Habituellement, je passe d'abord pour dire bonjour à François, à Sacha, au gars. Et puis je m'arrête toujours sur la tombe du petit Nicolas. C'est une tombe qui a été faite par une mère pour son fils. Elle lui dit qu'elle le reverra bientôt. Elle dit à presto. Et puis il y a une photo du petit Nicolas, et il porte la même veste que je portais quand j'allais faire du ski avec mes parents, enfin plus exactement quand j'ai appris à skier au Moss avec les parents, ou plutôt la mère d'un ami qui s'appelait Cyril. Cyril de Venoge. D'ailleurs, le petit Nicolas, il ressemble un petit peu à Cyril. C'est comme une sorte de mélange entre Cyril et moi. Et puis ensuite, je me cache au bout de l'allée de Montmorency. De là, dans un coin, je peux lire tranquillement. Et puis j'ai une vue imprenable sur le royaume des morts. Pour accéder au cimetière Montmartre, on suit la rue Rachel et au bout, il y a une entrée assez impressionnante qui ressemble plutôt comme ça au tapis rouge d'un festival, un peu comme la montée des marches à Cannes. Des voitures viennent se garer devant et puis on passe la barrière et on rentre dans le cimetière. Mais une fois par année, la porte qui se situe au sommet de la rampe Caulaincourt est ouverte. Et donc on peut accéder au cimetière par les deux entrées. Ce qui crée un formidable courant d'air à l'intérieur du cimetière. Et qui permet aux morts d'effectuer leur sortie annuelle, de sortir, d'aller se promener dans Paris en ce début du mois de novembre. Et puis d'y rentrer avant la fermeture des portes pour y repasser une année. Alors pour voir passer la mort, il faut vraiment se rendre le 1er novembre au cimetière Montmartre.